Salut tout le monde, c'est Dark Isaï, on se retrouve pour la suite de Zelda A Link to the Past. Ok, alors dans cette vidéo, on va d'abord aller récupérer encore une fois 2-3 objets qui pourraient m'être utiles pour la suite du jeu. Alors déjà, je vais voir s'il n'y a pas... Voilà, une fée. Oh merde. Je l'ai touché. Je l'ai pas capturé, je l'ai touché. Évidemment, il n'en redonne plus. Bon, tant pis. Alors, je vais récupérer un autre flacon. Donc, un autre. Ouais, bah, les flacons, un autre pot, si vous voulez. Ensuite, j'irai voir si je peux aller forger mon épée pour l'augmenter de niveau. Parce que c'est vrai que ça serait quand même pas mal. Putain. Alors, pour le flacon, il faut retourner dans le monde de la lumière. Mais le truc, c'est qu'il faut trouver un bon passage. Alors là, est-ce que non, je peux pas sauter. Ah, peut-être là. On va essayer. On va essayer par là. Parce qu'il faut passer en fait sous le pont là, près de la maison de Link. Et en fait, il y aura un vieux qui habitera là et il nous donnera un nouveau flacon. Allez, hop, 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 hop. Juste là en bas. Et voilà. Oh Link, t'as l'air mal barré, mais c'est tout ce que je peux te donner. Ah, c'est déjà cool, hein. Un nouveau flacon, j'en ai trois maintenant, ça c'est parfait. Merci beaucoup, monsieur. Maintenant, on va retourner dans le Dark World. Et je vais aller... Je vais aller au village Cocorico, voir si je peux aller forger Excalibur. Ce qui serait vraiment pas mal du tout. Alors, attention à lui là, l'Octorok. Ok, c'est parti pour Village Cocorico. Toi, dégage la plante. Je vais pas venir me faire chier. Alors. Village Cocorico. Le truc, c'est que je suis vraiment pas sûr que je puisse le faire maintenant, quoi. Mais bon, on va essayer. Ah, mais oui, c'est vrai, putain, il faut que je passe par la maison de Link. Eh oui, c'est pas comme dans le monde de la lumière, le Dark World a changé, donc je ne peux pas passer par le haut du Hyrule. Putain, je vais encore me faire avoir. Chier! Il faut que je prenne des fées aussi, ça pourrait m'être utile au cas où je venais à crever. Allez hop hop hop, fonce Link. Tu as les bottes de Pégase, fonce! Bon, je sais pas si j'irai faire le temple numéro 3 tout de suite dans cette vidéo. Ce qui est quand même assez long, hein. Mais je pense que j'irai le faire parce que sinon j'ai rien d'autre à faire dans le monde d'Hyrule et le Dark World, j'ai rien à faire. Alors là, c'est un mini-jeu d'archerie en fait. On va essayer, hein. On va aller essayer, pourquoi pas. Venez essayer votre talent dans ma salle de tir. Vous avez droit à 5 tirs pour 20 rubis. Si vous êtes brillant, si vous êtes aussi brillant que vous en avez l'air, vous ratisserez plein de rubis. Qu'en dites-vous? Je joue. Mais pour 20 rubis. Alors, il faut viser les poulpes. Bah merde.
Oh putain, je suis naze. Je suis naze. Bon, c'est pas grave. Je sais pas jouer. Je suis une merde. Alors là-bas, il y a aussi un autre mini-jeu, c'est avec la pelle. C'est pour gagner. Ah putain, merde. Ah non, non, je sais comment faire. Hop, miroir magique. Et voilà. Oui, j'avais oublié en fait qu'il y avait des passages. Enfin, il y aura un téléporteur près du village Cocorico. Ouais, parce que sinon, on peut pas y accéder normalement. C'est assez spécial, je sais, mais on peut pas y accéder normalement. Il faut utiliser un téléporteur au nord du village. Alors, attends, déjà aller voir la forge. Parce qu'il y a un truc qui m'intrigue un peu. Voilà, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a en bas? Hop. Voilà. Maudit sois-tu qui me tire de mon profond sommeil. Pardon, je voulais dire merci, je vais me venger. Pardon, c'est pas ce que je voulais dire. Eh, bien fait pour toi. Pardon, c'est pas ce que je voulais dire. Maintenant, ton pouvoir magique diminuera deux fois moins vite. Félicitations. Maintenant, fais ton mieux, mais à mon avis, ça ne sera pas suffisant. Mauvaise journée, salut. Il est con, ce chausse-à-l'école, cette chauve-souris. Mais au moins, grâce à ça, maintenant, vous voyez que j'ai une demi-barre de magie, donc ma magie diminue beaucoup, beaucoup plus lentement. Putain, merde. Ce qui est vraiment excellent, sachant que, bah voilà, la baguette de glace, ou la magie du feu et tout ça demande énormément de magie. C'est vraiment pas mal du tout. Bon, on va aller dans le village Cocorico du Dark World, qui, vous le verrez, aura bien changé. Mais je ne vous en dis pas plus. Déjà, j'arrive à trouver. Voilà, je crois que c'est par là. Oh putain. C'est juste là, mais je peux pas y aller. Oh, il faut que je passe par là. Par les bois perdus. Ah non, mais pour accéder au village Cocorico du Dark World, c'est vraiment un calvaire, mais un truc de fou, quoi. Faut passer par par la forêt, faut faire une chier de trucs, mais c'est hallucinant, quoi. Alors. Non, c'est pas par là. Bon, normalement, c'est la prochaine sortie la plus proche d'ici. Donc non, c'est pas là. Hop, hop, hop. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Oh putain, non! Foiré. Ok, ensuite on passe par le grand tronc et normalement je devrais arriver à la bonne sortie. Ouais, yes, c'est ça. Ok, maintenant on soulève ça. Et voilà, on va aller au village Cocorico du Dark World, normalement, si tout se passe bien. Alors normalement, ouais, voilà, j'ai accès au village Cocorico, ça c'est très bien. Bon là, pouvez-vous vous amuser à tout détruire, je sais pas s'il y a quelque chose. Mais je crois pas, non. Cette arbre-là, qu'est-ce qu'il dit? Je crois qu'il est pas méchant, je crois qu'il nous dit un truc cet arbre. Fiche-moi de la paix et regarde où tu vas quand tu fonces tête baissée. Ouais, voilà.
Alors. Ah oui, putain, ces fantômes-là, ils sont assez chauds, hein. Attention. Ils enlèvent pas mal de vie, ils sont assez chauds. Oh non, en fait, ils sont à chier. Qu'est-ce qu'il y a par là? Rien. Ah, un coffre. On va aller voir. Ouh, bon, ça ne sert à rien vu que j'arrive au maximum, mais bon. Ah zut, si j'avais su qu'il y avait 300 rubis là, j'aurais attendu un peu d'avoir gaspillé. Parce que là, je me sens un peu con. Mais bon. Alors. Toujours un marchand. Pour l'instant, c'est pas ça qui m'intéresse. Normalement, je devrais trouver ici le frère jumeau là du forgeron et je devrais le ramener dans le monde de la lumière normalement. Comme ça, il pourra retourner chez son frère et ils pourront me forger mon épée. Et là, c'est l'entrée du donjon numéro 4, hein, mais je n'irai pas le faire tout de suite. Quoique je pourrais, hein, à la limite. Mais... Ah, c'est vrai qu'à la limite, je pourrais y aller déjà maintenant. Alors ça, c'est des voleurs, hein. Des espèces de souris chelous là, c'est des voleurs, donc faites gaffe. Qu'est-ce que c'est là? Ah ouais. C'est un jeu d'adresse. Je joue. Bon bah fuck. Oh putain. Bon, c'est pas grave. Le pire, c'est qu'on peut pas les tuer. Bon, tant pis, vas-y, prends-moi ce que tu veux. Ce sont les rubis, j'en ai assez. Mais normalement il devrait avoir, comme j'ai dit, le frère là. Mais je sais pas du tout où il est. Le frère du forgeron. Mais je ne sais pas du tout où il est en fait. Si ça se trouve il est même pas là. Si ça se trouve j'ai dit de la merde. Hop, une bombe. Un coffre. Putain, vas-y, il y avait 600 rubis dans ce village. Comment tu pouvais savoir ça au début? J'ai gaspillé. Enfin, ouais, j'ai laissé passer 600 rubis. Bon, je me régénère un petit peu. Parce que quand même, ça ferait pas de mal. Oh, merde, je l'ai prise. Enfin, je l'ai touché sans la capturer. Mais il est où ce truc là? Putain, je sais que normalement il est par là. Mais normalement il y a aussi un coffre dans ce village. Ouais, là ça demande le gant de force. Et je crois qu'on l'obtient dans le donjon numéro 4. Du Dark World. Bon bah on va aller le faire alors. On va aller faire le donjon numéro 4. Alors ça, c'est un marchand. Merde. Hop. Donc si c'est un marchand, je te prends ta potion rouge. Voilà. Sait-on jamais. Bon bah je crois qu'on va aller se faire le donjon numéro 4, hein, les amis. Que ça au moins j'aurai... normalement, l'arme du donjon numéro 4, c'est le... Une amélioration du... attendez, normalement je dois l'avoir. Ouais, ça sera une amélioration du gant de force pour porter des objets encore plus lourds. Ah, il est là. Voilà, c'est ça. Ouais, mais il me faut le gant de force. Mince, bon bah alors on va le faire le donjon numéro 4. Comme ça, j'ai le gant de force. Et je pourrais aller me forger mon épée niveau 3. Ouais, allez, on va faire le donjon 4, comme ça c'est déjà fait. Allez, go. Alors ce donjon-là, purée, par contre, lui, je ne me rappelle, mais alors vraiment plus. Je sais qu'il a plein de passages un petit peu secrets et tout, mais le reste...
que je me souviens plus. Je me rappelle juste qu'il y avait aussi cette putain de dragon là qui nous tire des boules de feu. Putain, les fumiers. Bon, les dragons rouges sont vraiment les pires parce qu'ils nous jettent plein de boules de feu. Alors que les bleus encore, ça peut aller les bleus. Hop, un rubis. Oh putain, alors ces machins, faut faire gaffe parce que ça nous transforme en lapin. Et après, bah, comme vous le savez, en lapin, on ne peut strictement rien faire. Ouais, attends, faut que je fasse extrêmement attention avec ces machins parce que j'ai pas envie de me transformer en lapin. Où es-tu? Là, tu es là. Ouais, ce donjon risque d'être un petit peu plus long que d'habitude. Hein. Surtout cette vidéo-là parce que déjà j'ai fouillé pas mal de temps dans le monde de la lumière, dans le Dark World. Donc cette vidéo risque d'être plus longue que d'habitude. Allez, viens là. Bon, y'a rien à faire. Le truc, c'est que je me rappelle vraiment pas de ce temple. C'est un truc de malade, quoi. Oh putain! Merde, j'ai été touché là. Vite, vite, redeviens Link humain. C'est quoi tous ces téléporteurs là, enfin tous ces machins? Non, je te laisserai pas cracher ta flamme. Alors attendez, faut juste que je voie. Ouais, normalement, ça, je dois aller par en bas pour accéder au coffre qui était en bas. Non mais ce temple est chiant quoi. C'est le repère des bandits du Dark World, mais... Merde, j'étais transformé. Oh, j'avais pas vu ça. Putain. Bon, la boussole. Au moins, j'ai déjà les deux trucs les plus importants. Oh, putain. La grande clé, ok. Ça, c'est bien. Donc je peux déjà accéder au moins au coffre du donjon. Ok, bon. Maintenant faut que je retrouve la sortie. Zut. Ah putain, mais entre les grosses boules de feu et les sortes d'hommes dragons là, putain, je vais pas m'en sortir. Hein. Alors, la suite du donjon, c'est par en haut, je crois, donc c'est par là. Mais putain, vas-y, comme par hasard, il va venir sur ma gueule. Faut chier, sérieux, quoi. Hop, passe-moi un cœur, merci. Ah, voilà, c'est là la suite. Alors, juste voir si j'ai... Juste voir que je n'oublie rien. Bon, apparemment, c'est bon. Ok. Alors là, il me faut une clé, mais j'en ai pas pour l'instant. Ouh, putain, squelette de merde, là. Tu veux me jeter une clé? Ah non, tu veux pas me jeter une clé, tu veux me jeter un os. Donc ça... À ne pas vous y méprendre, hein, c'est la salle du boss, mais on devrait y aller beaucoup plus tard. Alors maintenant que j'ai ma petite clé, je continue. Hop. Je regarde juste s'il n'y a rien à faire avec ces blocs. Apparemment, non. Bon, le machin il est complètement con, il est complètement buggé, je sais pas, mais...
Ah oui, alors ça. Je déteste quand tu fais ça, mon ordi. Oui, ils sont encore éteints. Donc ça, c'est ces sortes d'ectoplasmes, on peut les tuer, ils sont plus résistants, mais on peut les tuer. Hop là. Alors, je vais juste voir en haut ce qu'il y a. Ouais, ok, je peux rien faire par en haut. Oh ouais, putain, là je me rappelle de ce passage. Casse-toi, le machin. Bon, avant de d'actionner quoi que ce soit, on va continuer juste en haut. Putain, le cœur! Link, c'est moi, Zelda. Ne te laisse pas égarer par la magie d'aveugle, le bandit. Sois prudent. Bon, là, on a une sorte de petit conseil. Vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Alors, là, on actionne le trou. Enfin, on ouvre le trou qui ne s'ouvre pas. Il pourrait pas me donner des cœurs. Ouais, cool. Ah, ok. Ça fait plaisir, un peu plus de cœurs. Ok, on va activer le truc alors. Ouais, donc le conseil de Zelda, en fait, c'est juste que le boss craint la lumière. Et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Vous allez voir. Je ne vous spoil pas. Alors là, normalement, il y a un interrupteur. Voilà. Non, ça vaut rien. Je sais même pas ce que c'est, ces machins. Non, pour l'instant, toujours rien. Ah, des bombes, ça c'est bien. Donc en fait là, on est juste au-dessus de la salle du boss. Et donc, ce qu'il faut faire maintenant, c'est ouvrir le trou là, avec la bombe. Bon, faut bien viser aussi. Voilà. Comme ça, la lumière passe dans la salle du boss. Et ensuite, bah, enfin, c'est assez spécial parce que le boss ne sera pas directement dans sa salle en fait. Il viendra vraiment que à la fin. Je vous en dis pas plus. Je vous laisse vraiment découvrir. Je ne vous en dis pas plus. Alors bon, je passe par là. C'est plus safe. Ensuite, là. T'es encore là, toi? Putain. Saleté d'homme dragon ou homme cheval, je sais pas trop ce que tu es. Dans ta gueule. Je vais aller voir là à droite. Non! Putain, merde, c'était un piège. Ah, je me suis bien fait avoir là. Je me suis bien fait avoir. Normalement, c'est toujours ouvert. Putain, vas-y, repop. Quoi, c'est un rubis fantôme? N'importe quoi. Bon, alors par en bas. Alors, ah voilà.
Ouais, donc normalement c'est le gantelet de force qu'on obtient. Tu ne peux échapper aux bottes de Pégase. Ok. Alors là, je vais prendre le grappin. Ce sera beaucoup plus efficace. Pour moi, ce qui est bien avec le grappin, c'est que quand on l'utilise, par exemple, sur des, voilà, sur des tapis roulants, bah, on ne bouge pas. Et il fait le même effet que le boomerang, c'est-à-dire il paralyse les ennemis. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Non, rien pour l'instant, je ne peux rien faire. Bah, je sais pas comment il a la clé pour ouvrir, hein, mais bon, il l'a. Je sais pas comment c'est possible que Link ait la clé pour ouvrir les cellules, mais il les a. Non, putain, toi, faut que tu touches un mur. Voilà, c'est inefficace. Ah, voilà, c'est elle. Oh, merci, tu m'as sauvé la vie, fais-moi sortir. Voilà. Donc, en fait, on rencontre une jeune fille qu'on devra protéger, bah, durant tout le donjon. Jusqu'à le finir. Donc, ceci inclut le boss également. Hein. C'est pour ça que ce donjon est assez dur quand même. Ah ah! La moufle du titan, te voilà maintenant capable de sauver les lourdes pierres noires qu'il était impossible d'ébranler. Ah putain, le piège est vicieux. Ah ok, ouais, je comprends pourquoi il fallait ouvrir tous les trucs et pas qu'un seul. Oh putain. Alors, au moins comme ça c'est cool, je peux avoir accès à Excalibur. À la forge, je veux dire. Hop. Il y a vraiment quelque chose là? J'ai du mal à le croire. À part me faire tuer comme une merde, je vois pas ce qu'on peut faire là. Putain, mais c'est un attrape-nigo ce machin, c'est pas possible, y a rien là. C'est à quoi ce seul? À part piéger les gens bêtement, elle sert à quoi cette salle? Bon, juste pour le fun. Pour faire Hulk. Attendez, je vérifie juste quelque chose. Non, c'est bon, j'ai tout pris. Par en bas. Juste vérifier. Juste vérifier ce qu'il y a là. Ok, des rubis. Bon. Donc en fait, on va aller au boss directement. Hein. Et là. Ah ah, la musique du boss. Ouah, c'est trop brillant! Et voilà, c'était elle le boss en fait. Boss qui est assez chiant, on peut le taper que sur les côtés. Et à chaque fois en fait, voilà, il y aura une tête qui va se dégager. Et une autre qui en va réapparaître sur le corps. Bon tant pis, j'ai une fée encore. J'ai une fée et une potion rouge qu'il ne faut surtout pas que j'oublie d'utiliser. Voilà, hop, la deuxième tête, et il y en aura une troisième. Putain, ça commence à partir dans un shoot 'em up là. C'est bon, battu. Et voilà, le troisième cristal récupéré. Troisième sage sauvé également. Enfin, troisième jeune fille, mais bon, voilà, c'était descendant des sages, si j'ai compris.
Ah, maintenant je pourrais enfin aller forger ma lame pour qu'elle soit plus puissante. Link, grâce à toi, je peux m'échapper des griffes des diaboliques monstres, merci. Alors que les sages scellaient le chemin qui mène au monde des ténèbres, les chevaliers d'Hyrule les protégeaient des attaques des monstres. J'ai ouï dire que les chevaliers d'Hyrule furent presque tous décimés dans cette bataille. Tu peux être le dernier maillon de cette lignée de chevaliers. Quelle ironie du sort que le dernier de la lignée ait le potentiel pour devenir le héros de la légende. Tu peux sûrement détruire Ganon. Tu as compris? Ouais. Puisse son chemin mener le héros à la Triforce. Oh yeah! Ah voilà. Bon. Vous voyez que j'ai fini le temple 4 au lieu du temple 3. Et c'est ça justement qui est quand même aussi pas mal dans les Zelda, c'est qu'on peut vraiment faire les temples dans l'ordre que l'on veut. Bon, à part les deux premiers. À part ceux des. À part les trois premiers qui sont ceux du pendentif. Les mondes du Dark. Et le premier du Dark World. Mais dès qu'on a fini le premier palais du Dark World, on peut faire les autres dans l'ordre qu'on veut. Crois, crois, tu n'as pas changé d'aspect, tu n'es pas un homme ordinaire, n'est-ce pas? J'habitais Cocorico, je me demande ce que mon partenaire y fait sans moi. Crois, j'ai un service à te demander, conduis-moi à mon partenaire, s'il te plaît. Crois, crois. Bien sûr, je t'emmène, mon ami la grenouille. Car après tout, c'est toi qui vas me forger ma lame. Donc il est normal que je t'accompagne. Maintenant, on peut faire hop. Alors là, bon, c'est tout détruit. Alors. Hop, miroir magique. Et le voilà, le petit forgeron. Ah, les beaux jours sont revenus, tu as retrouvé mon partenaire. Nous sommes très heureux maintenant. Reviens nous voir quand tu veux et cette fois, nous tromperons ton épée à la perfection. Eh bien, c'est ce que je vais faire, hein. Merci, merci. Ah oui, bon, il faut sortir, re-rentrer. Et là, je pourrais forger mon épée. Alors. Et toi, bienvenue, je suis content de te voir. Demande-moi ce que tu veux. Tremper mon épée. Je te ferai un bon prix. 10 rubis seulement. 10 rubis, hein, seulement. Tu veux vraiment la tremper? Oui. D'accord, pas de problème. On va garder ton épée pendant quelques temps. Bon, alors, ce quelques temps, je ne sais pas combien de temps c'est. Je pense que en allant dans le Dark World et en revenant, je pense que c'est bon, hein. Écoutez, on va essayer. Alors là aussi, il y a un passage secret, il faut en fait activer tous les piliers. Comme ceci. Petite icône, la sorte de poule. Pourquoi tu viens quand tu sais que. Quand tu sais que j'ai un maillet. Ah, un quart de cœur. Ça c'est très bien. Bon, on va retourner dans le monde de la lumière. Je pense que ça doit être bon maintenant. Bah, le truc c'est que c'est prêt assez vite. C'est ça qui est pratique. Ah oui, alors ce coffre-là, il faudra le ramener à quelqu'un dans le monde de la lumière. Il nous donnera normalement la dernière bouteille du jeu. Ton épée est trempée, tiens. Et voilà. Génial, ton épée est plus puissante, sans la fabuleuse force qui coule dans tes veines. Ah, elle est rouge, elle est classe. Et voilà, 3 l'épée niveau 3. Et il reste encore le niveau 4, mais ça sera pour plus tard. Alors, là, ce que je vais faire, c'est prendre le coffre là, qui est là. Et vous verrez où il faut le ramener. Tu ne pourras jamais ouvrir ce coffre car il est fermé à clé, aussi prends-le avec toi. Voilà, alors c'est parti, on va le prendre. Ne vous en faites pas, je sais absolument où faut le ramener. C'est un peu loin, faudra marcher. Mais je sais où il faut le ramener. Oh merde! Oh putain, il faut y aller en fait vraiment à pied quoi, je peux pas. Je peux pas. Oh, je peux pas utiliser les bottes de Pégase. Je peux pas le porter. Non, je peux pas. Ah ouais, bon bah. Mais purée, vas-y, t'es sérieux là? Reste à côté de moi, le coffre. Là là, j'ai un coffre qui me suit, quoi.
Normalement, mon épée est plus puissante. Donc les mo certains monstres, je devrais les tuer beaucoup plus rapidement. Bon, eux, ils crevaient déjà en un coup. Avec ou sans l'amélioration. Hop, viens par là. Voilà, vous voyez là maintenant les plantes elles meurent en un coup. Bon, par là parce que là c'était le rayon qui l'a touché. Alors, ensuite il faut utiliser hop, le miroir ici. Et voilà, faut parler à ce monsieur. J'ai entendu dire que tu sais que j'étais un bandit, c'est vrai? Bon, je vais t'ouvrir un coffre, mais ne répète à personne notre conversation. Tu me le jures? Juré. Et voilà, quatrième flacon. Normalement c'est le dernier parce qu'il y en a quatre. Ouais, voilà. Bon bah j'ai tous les flacons du jeu, hein. Ça c'est très bien. Putain, foiré. Ok, alors prochaine étape, ça sera... Ah non, attendez, attendez. Déjà qu'on en est avec, avec le gant magique. Enfin le gant magique, le gant de force. Hop. Karina. Ensuite, voilà, sanctuaire, c'est parfait. Non, merde, c'est pas là que je voulais aller. Putain, mais merde, j'avais pas vu que ce serait la montagne. Bon, là, je Corico, c'est le plus près. Alors, vous allez comprendre ce que... Enfin, comprendre, non, mais je vais aller chercher un autre objet qui est totalement optionnel, mais c'est juste pour un effet bonus, en fait. C'est juste pour le fun, quoi. Et après, j'arrêterai cette vidéo-là parce que ça fait déjà pas mal de temps. Hop, là, faut traverser les zones le plus vite possible. Non, c'est là. Voilà. Dans le cimetière. Non, c'est pas celle-là. Ah, c'est bizarre, c'est qu'elle tombe alors. Ah, ça doit être celle-là, je crois. Voilà. Ah non, ça c'est pour aller au château d'Hyrule. Bon, c'est pas ce que je voulais faire, mais tant pis, on y va quand même. Ah ah. Alors, des bombes. 300 rubis qui ne servent à rien et 10 flèches. Non, c'est pas là où je voulais aller en fait. Parce qu'il y a une tombe qui garde un objet spécial. Et c'est ça, et c'est là que je voulais les. C'est ce que je voulais aller prendre en fait. C'est. Je crois que c'est. Je sais pas si c'est la canne de Birma ou la cape magique. Mais en fait, un de ces deux. En fait, la canne de Birma, elle permet de. D'avoir une barrière qui nous protège de toute attaque, de toutes les attaques. Et la cape magique, elle nous rend invisible, donc intouchable. Donc c'est ce que je voulais tenter de prendre, mais je me suis trompé de tombe, malheureusement. C'est pas vraiment la bonne tombe que je voulais. Alors... C'est bizarre pourtant. Ah, mais je suis con, c'est celle-là. Je peux pas la soulever. Bizarre. Décrève pas. Allez. C'est quoi ce bordel? Pourquoi elle avance pas? Hé. Ah ok, fallait foncer dedans. Autant pour moi. La cape magique. Tu deviens invisible quand tu la portes. Surveille ton compteur magique. Ouais, parce que ça bouffe énormément de magie, mais à une vitesse de fou. Et voilà. En gros, ça permet juste de faire ça. C'est vraiment un peu pour le fun, quoi.
Bon, pour cette vidéo-là, on va se quitter. On va se quitter ici. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous retrouve bientôt pour la suite de Zelda. Voilà. Allez, à bientôt tout le monde. Ciao, ciao.